pour ce nouveau vlog. On est le samedi 3 mars et pour cette deuxième salve de neige que l'on a cet hiver, c'est-à-dire fin 2017 et maintenant en 2018, voilà, je suis à Green Park. La dernière fois, j'avais pas bougé parce que le métro ne fonctionnait pas, parce que c'était assez par surprise aussi, mais alors que là, la neige, il y a plusieurs jours qu'elle tombe et tout. Et aujourd'hui, bah, va fondre à moitié parce que les températures vont remonter apparemment. Bon, j'ai fait un vlog update avec Buckingham Palace à côté, avec la neige. Franchement, c'est bien merveilleux. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment ça ajoute un énorme charme, la neige avec Buckingham. Bon, il y a quand même de la neige qui a été dégagée avec du sel, etc. Ça se voit vraiment sur les routes, mais bon, en fait, c'est un peu normal. Hein. Il ne faut pas bloquer les routes, ça serait un peu pénible. Donc voilà. Mais ouais, putain, regardez-moi ça, comment c'est beau. Buckingham. Je prends une petite photo, je reviens. Bon, je sais que ma casquette Buckingham, on n'est pas obligé de la mettre non plus, mais je la mettais parce que je voulais prendre la caméra dans la poche. Je la valide, on la valide, j'ai pris des photos déjà. J'adore vraiment Buckingham sous la neige, c'est vraiment un paradis. Le paradis sur terre. Non, c'est vraiment beau, franchement. Alors finalement la reine est partie à Windsor, je pense. Ouais, je sais même pas où est-ce qu'elle est, parce que du coup il y a eu la neige et tout. Bon, je pense qu'ils sont dû l'emmener à Windsor doucement, mais sûrement, enfin voilà. Bon, je suis de l'autre côté maintenant du cercle qui est autour. Et franchement, c'est vraiment fabuleux. Hein. Buckingham sous la neige. Je sais pas si ouais, il y a St James Park qui est sous la neige. Enfin, tout est sous la neige en fait. Bon, évidemment, il commence à fondre un petit peu, mais c'est vraiment fabuleux, n'empêche. Il y a même une partie là-bas du lac, vers le fond, la partie par là, je pense, voilà, qui est gelée. Donc, ça fait un petit endroit un petit peu réduit pour les animaux, mais bon. Ça va bientôt fondre. Donc ouais, voilà. Bon, je vais pas critiquer la neige, hein, parce que j'aime bien critiquer, mais pas la neige non plus, ni la famille royale, ni bref, on s'en fout. La neige commence un peu à partir, l'impression. Mais bon, en fait, c'est un peu normal. Hein. Ça se réchauffe et ça va. Et ouais, bon, on est plus au négatif. Hein. On est proche du négatif, mais on est plus au négatif, malheureusement. Donc ouais, voilà. Donc je viens de faire un bonhomme de neige dans St James Park avec Buckingham derrière, je sais pas si vous voyez bien, moi je le vois. Voilà le bonhomme de neige. Il est assez... Alors il m'arrive aux hanches, voilà. Non, franchement j'ai pas fait énormément, mais j'étais très content. Ça m'a... Je sais pas combien de temps ça m'a pris et quelle heure d'ailleurs là, je vais vous dire. Je sais pas, ça a dû me prendre peut-être 20 minutes à peu près. Donc ouais, pas mal ce petit bonhomme de neige. Ça c'est rire, avec mes gants que j'ai mis, du coup moi je me gèle un peu les mains, mais bon, après il fait pas non plus froid, donc voilà. Mais c'était une bonne expérience de faire un bonhomme de neige à côté de Buckingham. J'avais jamais fait. Ah non, c'est fait. Bon, il est 10h, j'ai abandonné mon petit bonhomme de neige. C'était triste, un moment émotion, pas du tout. Mais ouais non, je commence à me faire froid. Mais j'ai pris des photos déjà, mais vraiment c'est vraiment exceptionnel d'avoir fait un bonhomme de neige à côté de Buckingham. C'est vraiment formidable. Moi vraiment c'est pas du tout un objectif dans ma vie, mais là non, il est fait. Après que c'était pas du tout un truc dans ma vie, prévu, mais bon voilà.
beau comme je m'y attendais. Il y a moins de neige déjà sur les grandes avenues. Et en dehors des parcs et de Buckingham, il y a quand même moins de neige. Hein. Déjà, il n'y en a plus. On fera vraiment juste un jour de flotte. Alors qu'il ne pleut pas encore, mais j'ai prévu la pluie pour en après-midi. Donc. Oh mon dieu, il y a des oiseaux. Mon chien se fait distraire par les oiseaux. Bon, je sais que la caméra. Ah, t'as mes gants qui rentrent dans la caméra. Arrête. Je pense que la caméra ne doit pas tellement aimer ce froid. Parce qu'elle est gelée. Enfin, surtout la batterie en fait, je pense. Mais bon, j'utiliserai cette caméra tant qu'elle fonctionne. Le jour où elle fonctionnera plus fort, j'en achète une autre. Ça, c'est vrai. Mais oh, t'es pas pressé. J'ai cherché un tableau à la National Gallery, j'ai pas trouvé que je voulais l'acheter. Je rigole, je vais pas acheter un tableau. Mais non, j'ai cherché un tableau. Je suis un peu déçu que je l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave. J'ai quand même demandé de l'aide, mais on l'a pas trouvé. Mais c'est peut-être parce qu'il a peut-être été bougé depuis le temps. Bon, je viens de finir manger. J'ai été manger à McDonald's. Alors oui, le truc très original pour moi. Mais là j'ai essayé le nouveau grand Big Mac, en gros la version énorme du Big Mac, spécial pour l'anniversaire du Big Mac. Et c'était pas mal, bon, c'était très bourratif, c'est pire, enfin c'est comme un Whopper en fait. En gros c'est un Whopper version McDonald's, un peu dégueu, mais voilà. Bon, non, je vais aller à Forbidden Planet. J'ai été au théâtre Harry Potter. Et là, je vais aller à Forbidden Planet. J'ai été à Minimalist d'ailleurs. Et c'est vraiment pas mal. C'est une espèce de petite exposition Harry Potter à côté du théâtre derrière. C'est toujours sympa à y aller. Je vais me faire écraser, on va vraiment rigoler. Mais ouais, en tout cas, il n'y a plus aucun. Je vois plus de neige, pratiquement plus du tout.